pouvoir l'État et nous devons faire barrer la société. Vous comprenez ça me dit au fond barrer la société là? Parce que pour nous jouer la paix, faut qu'on barrer qui fait. Et si nous pas fond barrer rapide, Haïti va disparaître. La plonger. Vous cantez la parole. Mon ami, toujours un mendil, grand déballage. Pour dire c'est faute pas. C'est faute pas. On recommence. Parce que là, pas gagné yon qui pi bon. Pas gagné yon qui pi bon. Et puis nous tout toujours quoi. Et nous gagne solution. Mais c'est les gens tel Joseph, moi pas joine ni pas parler sur dossier ça parce que m'ta bien connait ça qui passé à tout bon comme pas gagne détail yo, yo dit ou t'a pas arrêter li, m'pa gagne détail yo, m'pa même parler sur ça. M'ta bien mais parler sur lui. Mais c'est les jeunes gens tel Joseph, m'pa moi relé li, m'pa considérer ma on li. Mais l'aime garder jodi a. Fritson. L'aime garder jodi a. Récemment, l'a présenté Bana Daniel. Il était dérangé. Il était dérangé. Et j'en porte parole là, nous, ces nouvelles-là, et il fait plus mal, toujours. Mais je veux dire, vous sentiez à chaque fois, il y a des gens qui ont présenté, je veux dire, dans le contexte, nous, dans la même institution, que peut-être dans la même corporation là-dedans, hein, il est dérangé. Je fais journée avec un policier, je m'habitue pas la velle, je fais journée après l'île, mais la cabrime. Mais au final, elle prend téléphone. Elle parle avec moi, elle dit mais c'est pas habitude. Elle prend téléphone, elle dit Valestin, elle a dérangé. Oui, je connais. Je me dis ça, je me sens le dérangé. Parce que ce n'est pas habitude avec moi. Ce n'est pas comportement ça avec moi. La police nationale d'Haïti, je garde la porte-parole là. Michel-Ange Lujen, il y a un malaise. Michel-Ange Lujen, il y a un malaise. Parce qu'il y a des unités d'institution. Il y a des unités dans l'institution. Pas de gens qui ont fait ça là-dedans. Pas de gens qui ont fait ça, man. Pas de gens qui ont fait ça. Pendant le contexte, nous sommes là. N'importe qui quitte le bar ou avec ou des cartouches dans la machine ou des armes dans la machine ou civil, tant que policier, ou paye en pile. Il y a des millions en pile, il y a des saccages en pile. Dans le contexte, nous sommes là. Encore policier. Encore policier, un citoyen qui n'a une unité, cap veiller la présidence. Mais ça, unité a vle dit. Je vais vous entendre des porte-parole la police, là, Michel-Ange Lujen. Mais sa nouvelle là. La police nationale Pétion veut l'arrêter mercredi 30 octobre 2024 là. Jean-Renel Pierre, qui c'est policier 21e promotion, agent spécialisé unité sécurité présidentielle sanrelé 4 team. Donc unité de la police là. Il était agent PNH ça, t'es gain antenne sous un certain millet, man base craché diffé qui était dans une banque dans Pétionville. C'est agent 4 Simsa à tout uniforme qui te vient prendre machine Miller dehors. Yo tout posé la patte sous lit, yo joine dans machine plus passé 2000 cartouches 762, 3 téléphones à 337 000 goud selon porte-parole police nationale d'Haïti. Moi invité écouter dans boucanter la parole à soir. On invite écouter porte-parole la police nationale là, qui a plus de détails sur comment ça par opération, sur interpellation ça, arrestation ça, la police yo même yo fait dans Pétionville, un agent 4 team, c'est Jean-Renel Pierre, 21e promotion, jeune garçon. Timoun, oui. Ou d'accord, Jovenel, pas de capable mourir. Même si je ne vais pas généraliser. Est-ce que ok pour nous faire, nous attendons Michel-Ange Lujen qui a des détails sur l'arrestation ça? Yon filati que qui te mené sous leadership, direction centrale police administrative, la police dans Pétionville qui vivait interpellé policier Jean-Renel Pierre,
que nous avons gardé avec maillot noir, pantalon kaki. Jean-Renel Pierre, c'est un policier 21e promotion qui est affecté dans l'unité sécurité résidentielle. 4 signes. Hier après-midi, 30 octobre, là, ok, on va faire 30 minutes avec elle. Nous allons regarder la situation du pays d'Haïti. Nous allons regarder l'élection aux États-Unis. Nous allons regarder la situation au Canada avec le Premier ministre. Salut Lucas, bonsoir. Merci parce qu'on est avec nous dans Boucanté la parole. Moi, salut Ismaël, moi, salut Guerrier et nous saluons tout auditeur. Allô? Moi salue Ismaël, moi salue Guerrier, nous salue tout auditeur. Merci parce que vous mettez vous disponible pour nous, Stanley Lucas. Merci parce que nous pourrons parler. Est-ce que santé a ok, Stanley Lucas? Est-ce que santé a normal? Ça passe presque un an, pays a battu de nous boucanter la parole. Parle avec nous. Et merci pour question ça a proposé. Non, moi en bonne santé. Des gons, ma bien famille, moi t'es malade. Très grave, donc c'est moi qui pouvais occuper toute bagarre, donc nous sommes obligés de la guerre politique là pour nous l'occuper où qu'on est. Donc, on m'a important la femme qui n'est pas bon, et la famille c'est numéro un, obligé de prioriser ça. Ok. Donc, c'est pas vous-même qui avez des problèmes de santé, c'était membre de la famille? Non, nous sommes membres de la famille, pas aucun problème. Ok. Ou Jam? Ah, nous avons des nègres qui ont mouru, nous avons crise cardiaque, où qu'on est pays d'Haïti, mais. Comme on a ou d'accord sont représentés pour Haïti et puis ou était comme ça ou disparaître pas quelqu'un qui gagne nouvelle homme parce que là peut-être c'est manquant élégance ou de la famille était malade là on correct on te doit reler tout bail ça on correct mais on connaît les bail ça arrivé obligé brit soukou à l'occuper famille on comprend rien bail ça va pas gagner négociation d'accord. Mais quand même, c'est tout bagaille retourner dans normal yo? À 65-70%. Ouais. Ok. Qu'on est. Bon, en tout cas, c'est ça la vie. On va avancer, Sandle Lucas, peut-être à distance et même dans la situation difficile là où on vive, où on suivre l'évolution du pays, Ariel Henry aller. Et aller le patouner, laisse ça ou t'es dans silence là toujours. Gary Koné, CPT, Gary Koné, y'a arrivé dans le pouvoir ou t'es encore dans silence ou. Comment vous évaluez la situation? Qui s'en comprend? Bon, c'est la troisième phase assassinat président. Et on connaît que gain des blancs. Blanc américain qui travaille pour FBI, qui a trois employés du département d'État, qui a un oligarque, et dominicain et complice, qui a quitté soldat colombien passé la caillou pour venir tuer le président nous. Et le monde qui vient tuer, soldat qui vient tuer, colombien qui vient tuer le président, c'est Saint-Domingue qui passe avant la Jamaïque, avant américain, qui a mis mes sous lit. Donc jusqu'à présent, je parle avec vous là. C'est continuité crime ça qui fait contre la nation haïtienne et contre le peuple haïtien. C'est prolongation. Donc, n'est-ce pas un objectif très clair? C'est garder qui j'en prie un coup d'état électoral pour venir légitimer crime qui fait contre la nation. Mm-hmm. Donc, pour moi-même, l'on parle de conseil de transition, il n'y a pas de problème à moun qui est là-dedans. La réalité a qu'elle pas existé dans la Constitution. A dit demain matin, si Joe Biden mourit, selon la constitution américaine, non, c'est Kamala Harris qui a vint président. Si Kamala Harris mourit, c'est président de la Chambre des représentants, c'est le speaker et qui a vint président des États-Unis. S'il mourit, c'est le secrétaire d'État américain qui a vint président. C'est sa constitution, il dit. Là, quand nous, constitution est très claire. Là, où tout un président, ou bien président a un problème, il n'y a pas qu'un président encore. Si pas un parlement qui pour mettre un président provisoire,
son premier ministre qui doit diriger le pays à cabinet ministériel li, jusqu'à ce que l'élection faite. Donc, question n'est pas venu dire le conseil de transition, je ne j'ai dit, c'est craché, n'est pas craché dans ce qui nous tout. N'est pas dépensé 650 milliards de gouttes depuis le président mouri, il a assassiné, il a tout yel. Pas grand rien qui fait en dedans pays. Ya. Et tout n'est trois quarts n'est dans le conseil de transition là, c'est des nègres que nous connaissons déjà qui fait pays à mal. L'obre qui chinois. Qui chinois était ministre de la diaspora des autres qu'il fait. Qui chinois c'est lui qui écrit accord de Paris pour Aristide Alcine. Côté nègre fait cadeau by blanc à oligarque Pétionville. Toute institution l'État qui rapporte l'argent. Ça travaille à l'accord de Paris, ils volent les minuteries d'Haïti, ils volent les ciments d'Haïti, ils font vieux contrat électricité, contrat route en battable. Donc, je veux dire, ça, ouais, à son système, côté un petit groupe de Port-au-Prince qui marié à des blancs corrompus à l'étranger, ils prennent 11 millions de monde en otage et de temps en temps, ils mettent en sécurité à terre. Et c'est pour ça que nous, dans la situation que nous y a, le premier ministre qui l'a, il y a deux options. Première option, c'est soit M. respecter la Constitution, il met le Conseil de transition à terre, et puis il fait responsabilité constitutionnelle, li, qui se rétablit la sécurité et organiser les élections, ou bien il a mis la terre en 20 mois de mars. Insécurité qu'on est dans la rue à jour et aujourd'hui, c'est même oligarque qui touille le président qui l'a gagné insécurité dans la rue. Et c'est pour ça, moi-même toujours direct avec la population et tout le monde qui a demandé dans le pays à l'étranger. Ouais, cette situation que nous vivons là, je suis en Afghanistan, je fais Nigeria côté des mouvements terroristes Boko Haram, je fais El Salvador côté des gangs MS-13, je fais Venezuela côté des gangs Trinité de Aragua. Cette situation que nous avons dans le pays d'Haïti, ou qu'a rétabli la sécurité en Haïti en 6 mois sans problème. Mais il faut une volonté politique pour faire. Ce pas une volonté politique ou pas qu'à faire. Et modèle pour nous rétablir la sécurité à l'île, là déjà. Donc, à faire via modèle ça, adapter la réalité la caille nous. C'est modèle Salvador. Comment Salvador rétablit la sécurité la caille? L'imare, trois anciens présidents qui étaient dans la gang, Genyoun qui couille sauver. L'imare, ministre à parlementaire qui était dans la gang, ministre de droite. Qui était dans l'arena, qui était dans la gang, à parlementaire arena, qui était dans la gang, qui à droite, yo mari yo. Ministre de gauche, avec parlementaire de gauche qui était dans FMLN, yo mari yo. Après ça, nèg yo mari tout oligarque qui dans la gang. Après ça, yo tombe à terre, yo commencé fond fois MS-13. Je ne jodi a yo construit une prison spéciale côté gen 46 000 membres MS-13 qui était dans la gang qui dans la prison. Sous les gens gérer nèg yo correctement. Si situation que nous gagnons là, nous avons rétabli la sécurité sans problème en 6 mois. Même pas le dit des bagailles qui est Avant de dire des bagailles, Stanley Lucas, je vais me poser quelques questions. Très rapidement, vous dites, dans 6 mois, nous sommes capables de rétablir la sécurité d'un pays. Vous prenez par exemple Salvador qui a arrêté des anciens présidents, des anciens premiers ministres, des anciens députés, des anciens sénateurs qui étaient dans la gang, ils ont marié, ils ont sauvé, ils ont sauvé. Est-ce que vous pensez, jodi à la, et peut-être qu'il y a des pas importants qui fait, nous pas tenir compte de eux, gagner des institutions internationales ou des pays, amis Haïti qui sanctionnaient des mouns, notamment dans la Tibonite, dans Port-au-Prince, dans le Sud. Presque dans tout pays, il y a des anciens parlementaires, des hommes d'affaires, des anciens présidents, des anciens premiers ministres. Mais, regardez, depuis soir, il y a Henri, je vous crie, je vous dis, ou pas senti ministre de la Justice, qu'on travaille la fin pour arriver traquer moun sa yo. Et c'est parce que ou di moun sa qu'on travaille à faire, il y a des moun yo couri derrière yo qui fait jodi a capable et rétablir sécurité dans Salvador. Premièrement, la justice pas carré rien pour nous dans pays d'Haïti. Premier bagage que assassin qui touye président fait. Léo fin touye président qui ça Ariel Henry fait. Il mettait illégalement non, coup de cassation des juges. Alors que la constitution pays a très clair, c'est selon parlement constitutionnel, un président constitutionnel qui a mis des mouns dans coup de cassation. Après ça, il a nommé 53 juges. Après, dit que pendant ma parole avec vous là, moun qui n'ont corruption et moun qui n'ont touillé président, ou pas qu'à main, ministre de la justice, là, système judiciaire, non, mais
c'est eux-mêmes qui mettent le système judiciaire. Et vous savez, mettre un rapport corruption, mettre des sanctions, pas rien qu'à priver de ça. Koulia, vous parlez de blanc. Blanc dans l'instabilité politique pays, nous. On garde qu'à Salvador avec Bukele. Les Bukele commencent à écraser gang, ils ont acheté des armes pour l'armée, la police. C'est blanc pas de blé, non? Blanc fait tout ça capable pour empêcher Bukele de rétablir la sécurité de la Kali. On garde qu'à Ukraine, non? Les problèmes arrivent en Ukraine, la Russie paraît sous eux. Qui sacrifie? Blanc dit la voyons à venir chercher Zelensky pour Zelensky à faire outil. Zelensky dit non, même pas pour pas et sous vous, mais sous besoin d'aider, vous voyez ça. Blanc bat Zelensky presque 120 milliards de dollars américains. On prend cas Netanyahu en Israël. Blanc dit Netanyahu parle tel côté, parle tel côté. Vous voyez Netanyahu pour occuper blanc, mais en masse pas occuper blanc. Donc sinon je veux dire, il y a un combat qui est très clair. C'est soit nous suivre l'héritage doctrinal nous, que Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines qui était pour nous. Les nous avons des bagailles qui n'ont intérêt pays à pour nous régler. Mais si on dans le gouvernement qu'on gagne, ou gagne des nègres, ou gagne des femmes, c'est un peu blanc, ça pour nous régler pour le peuple, on ne peut pas régler. Je veux dire, il y a très clair. Ou besoin de rétablir la sécurité, ma bon plan en détail. Numéro 1. Ou monte une unité spéciale de 2500 hommes. Ou prend 1500 dans la police, là, ou prend 1000 soldats à l'armée. Dans l'unité 2500 hommes, ça, ou met un commandant. Ou petit Salvador, vous et 7 techniciens pour vous pour venir entraîner Mounsayo, dans sa relais en Special Forces. Pendant qu'il y a fait entraînement, ou entraîner dans la Banque Centrale, ou changer gouverneur, ou changer ministre des Finances, qui prend l'autre dans la main blanc, ou mettez des mouns qui ont un sentiment patriotique et nationaliste. Ça va nous faire à Cobla, la Banque Centrale, là, faut qu'on fasse. Nous voulons acheter 100 millions de dollars américains des armes spécifiques que nous avons besoin. Après, ça, nous avons un monde qui est ministre de la Justice et ministre de la Défense. C'est même un monde qui vient de deux ministères pour la police à l'armée en balle. Pour y aller, on mettre l'infrastructure, ça, on met un ministre délégué qui est responsable des renseignements pour aller infiltrer tout côté pour que les renseignements qu'on a besoin pour opérer. Koulia, faut que le premier ministre tout le garçon sous lit, les blancs après, les barres pour téléphone, non? Koulia, premier côté commencé, ou bien trois anciens présidents pour mal. Même besoin de nous, tout le monde connaît. Mais t'as bon aussi, oui. T'as important sous trois anciens présidents parce que prend pile qu'à vivre en Haïti. Il prend pile qu'à vivre dans chaque passé, on prend pile qu'à vivre. On commence. Et pour ça, on doit barrer. Ok, qui est-ce qui crée gang yo? Ma boîte avec mon chef de gang, elle a été créée. Conventon, Dred Vilme, Colibri, Labanietti, Claude Ronald Cadavre, T. Robinson, Toto Sheriff, Yoyo Piment, Domlage, Jean Renel, T. Élysée, Colonel Ravik, Général Quinquin, Junior Doy, Pablo Escobar, Daniel, Canal Divin, Dred Itzi, Dred Mackenzie, Billy, Evans Boyan, Tupac, Toutou Danseré, Général Bibi, Général Titi, Black Pepa, Black Samel, Une Balle à la Tête, Amio Météé, Léo Messi 117, Evans Tikoutou, Commandant Demoustène, Commandant Gouf, Tigé, Tiblan, Jaoul, Blad Narson, Général Kiki, Groufans, Genson Nett, Gabriel, Commandant Wilken, Jean-Renal Danfet, Tikenzo, Tiougan. Négoté créé l'armée rouge, l'armée rat, l'armée timanchette, l'armée cannibale, dominant bois, balé rousé, opération Bagdad 1, opération Bagdad 2, là-bas, elle a commencé. Donc ça veut dire que sous besoin de rétablir la sécurité, il faut qu'on marie Jean-Bertrand Aristide. Vous gardez la parole? Nèg perdit causé, ou pas qu'à perdre causé, c'est 100 peuples qui ont coulé dans la ria. Deuxième côté, on va aller obligé marie Joseph Michel Matéli. Raison? Troisième côté. Oui, Matéli, raison? Soit-y. Ou dit, ou si ton bon chef gang, l'offin cité ou dit, faut arrêter Jean-Bertrand Aristide, l'offin dit Michel Matéli ou pas dit rien ou juste passer sous ça? Non, Matéli, il y a des liaisons récentes et des étrangers qui établissent entre monsieur gang. Yo. Et même dans tout le président, Matéli, il y a des questions pour lui répondre. Et il n'y a pas qu'à le prendre. Mais vous posez une question déjà, ouais, ordonnance en sortie, non le baladin. Bon, je suis un bagaille. Et ordonnance qui sortit, il y a deux nègres qui écrivent. C'est secrétaire général, ancien secrétaire général Paléa. Comment il est encore? Non, je ne sais pas passer dans la tête. José Pierre, lui, avec le ministre de justice qui dit que c'est un des qui a pour qui il met les bagages. Au job, Béato Dorsey. Et moi, je suis un cap doufrem. Il dit que juste à lui-même. C'est son nec qui t'a doué dans Kakoulia. Parce qu'on ne peut pas faire ça à la nation.
C'est soit on pas prendre dossier mais il y a des bagages ou pas café au niveau historique. Monsieur son est passé mal devant l'histoire. Allez, monsieur fait rapport 60 pages à tout le monde qui écrit. Ou j'en moi monsieur en tant que juge d'investigation ou monsieur écrit Meta, Meta qui propriétaire et Facebook qui et Facebook là il est c'est le propriétaire WhatsApp. Monsieur t'a doit écrire, il y a 50 numéros de téléphone, il t'a doit bailler Meta, il dit bon WhatsApp, message WhatsApp moun ça pendant 3 ans. Avec ça seulement monsieur t'a gagné tamaré 60% dans monde qui tire président. Je suis un vagabond que lui-même. Il faut bailler la nation la vérité. Troisième président, vous doit arrêter. Hein? Troisième président, que vous doit arrêter. Hein? Et Jocelyn Brivet. Mais c'est on est qui vient qui organise l'élection. Et puis il remet Jovenel le pouvoir. Mon cher, bon, m'a don bagay. Ok. Moi-même, m'a don bagay. Après, ça faut descendre dans l'oligarque. Non, t'as l'air. Jocelyn Brivet, elle est arrivée là en 2016, un an pouvoir. Pays a pays a stable économiquement non mais pas dit pas de tirer d'ailleurs organiser une élection dans pays si on a élection qui organise pas un pile monde qui mourir là-dedans moi même m'a manger la bouillie sous côté moi même Dubaï et c'est quand docteur nouyé docteur a fait diagnostic qui va carrément sur maladie ou souffrir après faut descendre dans oligarque faut marier Jean-Marie Vob faut marier Dimitri Vob faut marier Reginald Boulos ou ensemble d'oligarque qui entre dans tout le président. Par contre, ça veut dire des oligarques dans le pays qui pensaient qu'ils sont plus forts que l'État, mais ils levent le matin à chercher des mercenaires avec des blancs corrompus qui ont payé à l'étranger, mais ils viennent tuer un président de la Caïnou. Par contre, ça veut dire comme si pour des Haïtiens, ils ont passé Saint-Domingue, ils ont tué un président des États-Unis, ils ont gardé Saint-Domingue comme ça, ils ont gardé Colombie comme ça, ils ont gardé nous comme ça. C'est nous-mêmes qui avons fait sérieux. Ou bien côté nous là, pas aucun blanc qui a vu une fois rien pour nous frem. Mais dans trois présidents, ça vous parlez là et vous dit vous devez arrêter yo pour qui ça et qui est-ce qui doit arrêter yo, s'il vous plaît, Stanley Lika? Et sous un gouvernement, un premier ministre qui est sérieux, qui veut retourner le pays à l'ordre constitutionnel, qui veut rétablir la sécurité, comme bon bagaille. Et département de l'Ouest là représente 43% de l'électorat. L'autre département qui gagne gang, qui c'est la Tibonite, lui représente 16% de l'électorat. En deux départements, ça y a 59% de l'électorat. Qui compte pas l'organiser l'élection, ça, sous pas rétablir la sécurité. Koulia, les petits gangs KTA, ou que ou fin mari, tout gang à crave, yo. Petit gang KTA, ou a dit, monsieur, ma bonne option. Première option, bon, j'en pacifique, qui fait dans plusieurs pays, remettre zam nous, il y a son moyen pour venir foncer des bagailles marcher. Remettre Zamnan, il y a son solution avec vous, de concert. Alors, remettre Zamnan, Sandre Lika, c'est peut-être des petits criminels, comme si des gens qui. Faites-moi, Sandre Lika, des gens qui peut-être qui attaquent l'État. Mais remettre Zamnan, comme si l'État a vu une fond bagaille, Sandre Lika. Même si vous n'êtes pas dans le pays, vous suivez, vous tendez dans la nouvelle quantité de crimes que vous faites. Moi, je connais. Moi-même, c'est ma bonne méthode là. Option numéro 1, pour prévaler, tenter de faire ça. Les doutes de vous parler, mes amis, vous mourrez. Pas de cognitif dans le pays, est-ce que prévaler de prévale faire ça, non? Pas de bagaille. Et sous fond évaluation de chaque gang, yo. Ok? Ou font évaluation de chaque gang yo. Le regard des capacités de zam que yo gagne. Ou regard des capacités de communication que yo gagne. Motocyclette que yo gagne, machine que yo gagne, bateau que yo gagne, numéro de téléphone que yo gagne. Le fin fait évaluation ça. Ou bon stratégie qui j'en pour établir la sécurité dans chaque zone. Mais bien entendu, le pral mener opération ça yo pour pas gagner des nègres tant coup espérance. Ou bien nèg qui était dans coup d'état comment relé monsieur encore Gédéon Jean Bézal dans KEP on nèg qui participait à nan moun qui tuer président pour nèg ça yo pas vinn servir à droits humains politiques pour saboter le rétablissement de la sécurité ou écrit la Croix Rouge internationale ou dit voyons une mission d'observation pour vous chaque fois qu'on fait opération ou fait mission à la avec vous pour que vous respectez les normes d'engagement pour demain matin l'on commence mettre nèg à terre pour nèg pas vinn dire c'est massacre quoi faire donc pour moi même quoi ça m'a tout là
en 6 mois nous pouvons rétablir la sécurité en Haïti. Et gen moun an dedans pays qui a rétabli la sécurité en 6 mois. Mais si on est qui reste avec oligak, pas qu'à faire travail ça yo. Et gros problème pays a sur oligak là. Puis gros problème pays a insécurité ou gen sur oligak là. Tout autant on va péter ciel oligak, le pays a pas pas aucun côté non. Nèg yo pas garder nous tant que moun. Palestin, gardez depuis à peu près 6 ans comment sans malheureux à couler dans quartier populaire. Depuis 6 ans, 7 ans, gardez Jean Grand Goût à péter fiel malheureux à malheureuse dans la rue. Gardez à séparer 650 milliards de taxes peuple pendant 3 ans et demi qui sont passés là. Qui te mêlé à souffrance peuple là? Qui te mêlé à malheureux qui a mouru Grand Goût? Qui te mêlé à souffrance monde qui a vécu dans quartier populaire? Femme qui a un problème? Yo qui gen problème, mari yo qui gen problème. Nèg sa yo, nèg yo gen mentalité raciste et coloniale. Faut nous péter fiel yo men. M'ba di ki faites attention pour moun kap tande a. Pas confondre bourgeois avec oligak. Gen des moun qui dans secteur privé a qui c'est des moun modernes qui veulent contribuer à avancement, promotion sociale et latrier, conseil des nèg à femme comme ça qui dans secteur privé a. Mais vacabon oligak qui dans secteur privé a tout autant que nous pas péter fiel yo. C'est eux même qui mettent en infrastructure. Pété fiel, vous voulez dire qui ça, sans le Lika? Pété fiel, vous voulez dire, on pété fiel démocratique. Avec dit, si vous utilisez des armes contre le peuple, on pété fiel, vous avez des armes. On pété fiel, tout avec un système judiciaire réformé. Comment vous voulez pour des juges, aux gars débarquer la caillou, la boire pour ratifier des décisions judiciaires? Je ne dis pas tout juge comme ça, non, mais tout nègre. Si tu as n'importe où prince, tu as qui avocat et qui juge qui dans business avec oligak. Et c'est pour ça, de vous conseiller des nègres, de vous monter ministre de la justice, c'est travail oligak que vous venez faire. Pas un business, si tu non, nous connaissons. Donc moi-même, et presque gagné, je ne vais pas suivre, je ne vais pas gagner un change en un an, c'est oligak qui a capté les guides de tout bagaille. L'agent banque mondiale là avec Bidlan, nous mettons ministre des finances pour aller faire projet pour vous avec blanc corrompu qui besoin voler. L'argent qui bide avec la sans le Lika, on est un peu moun honnête qui tende ou qui remet ou tout parfois, mais ça m'a tant de ministres finance, ça m'a pas gagné qui m'a pas gagné qui contrôle l'IATA, non? Et moi, gap dou, frère. Non, et moi, gap dou, sans le Lika. Gade, ministre finance là, ou voyez qu'on s'en la terre là, et groupe de boudon, mettez lui. Et moi, dou, mon cher, groupe de boudon, mettez finance là. Boukante la parole. Réunion a fait là l'autre jour, nèg groupe de boudon là, côté signati a bay tout bagay a fait lui même. Ou même ou pas, ouais les bagay a fait pour son Game Boy là. Non. Donc moi même non. Mais même bon, moi même nous que loi, moi même avant nous ca apprendre à ne pas être d'accord, c'est démocrate nous, moi même guerrier, nous ça fait longtemps que n'a collaboré et nous apprendre à ne pas être d'accord, le temps nous donnera raison. OK. Aïe, c'est conseil des mounio téléguidé là, c'est blanc qui tue le président et qui n'envole le pays, parce que n'a pas gagné l'objectif. C'est projet qu'il a depuis 2000-2001. N'a pas besoin de voler mine l'or que nous gagnons. Et bon problème avec Taïwan, je ne j'ai dit, bon possibilité pour la Chine attaquer Taïwan en 2025 et 2035. Taïwan, c'est le premier producteur mondial de semi-conducteurs. Semi-conducteur, c'est lui qui n'a tout appareil électronique. Il dit que l'appareil militaire, que la machine, que la télévision, que fou, quel que soit appareil pour servir avec lui, il a besoin de semi-conducteur. Je vous dis, Haïti a un terrain rare et pour faire semi-conducteur. Il y a un projet de à peu près 120 milliards de dollars américains pour venir voler terrain rare à la caille, sans pas bon moyen. Même Jean Mine d'or qui vaut 40 milliards là, l'or 24 carats, il y a besoin de voler lui sans pas bon moyen. Gombaga en bal en mer dans zone Jérémy en côté qui est dans Gomier en bal en mer et du magistrat Jérémy comme nous même nous pays d'Haïti pas gain équipement et capacité pour ça écrit Greenpeace au niveau international dit yo voyon bateau dans Gomier pour nèg yo vinn garder en bal en mer qui ça nèg y a vol en bal en mer nèg yo gombaga y a vol en bal en mer sous nous là. Mais les nègres mettent instabilité politique là, ou pas gain contrôle du territoire national. Pour qui ça blanc, li baye Zelensky 120 milliards de dollars américains d'âme. Pour qui ça blanc, li baye Netanyahu 24 milliards de dollars américains d'âme. Et puis nous-mêmes là, nous pas même besoin 100 millions de dollars américains d'âme pour établir la sécurité là, car nous, blanc pas appelé bon nous.
parce que les blancs corrompus ont besoin de venir piller la caille. Et c'est pour ça que je dis, peuple haïtien, dans quelque soit section communale qu'on y a, et pour un blanc débarquer dans la section communale, wa, où elle a fouillé terre, la baissé, chéché bagaille, maréli, son patouille, le remettre libre à la justice et le commissariat pour tout y a. Parce que les blancs, ils ne peuvent pas venir voler, ça nous gagne pour quitter nous dans la misère. C'est soit ou ban nous 90-95% là-dedans, ou prend 5% ou bien ou pas besoin rien là-dedans. Mm-hmm. Même faut nous apprendre défendre l'intérêt nous, parce que pas personne qui vient défendre ni pour nous. Ou dit non, faut connaître et écarter CPTA, moi je voulais demander comment pour l'écarter CPTA. Et on dit s'il faut attendre, on dit s'il pas écarter CPTA mars 2025 qu'a jeté connaître. Li gaton bon vent. Et même insécurité qu'on est là, c'est Oligap qui mette le pour mettre M. Atey. Et quand c'est PTA, on va dire, on cherche une commission de cinq grands éminents juristes dans le pays d'Haïti. En fonction de la constitution, est-ce que c'est PTA légal et constitutionnel? Mais qu'on y t'accepte CPTA ratifié ou bien CPTA ah. T'es nommé comme premier ministre? Moi-même, Mabdou, la réalité. Non, moi, la réalité avant tout, moi-même. C'est même CPT ça que t'es nommé Gary Koni. Bon. Ça montre dans qui ça nous est, man. Qui gens ont nègre dans le pays d'Haïti, qui a mis tête dans CPT, j'en ai là, qui parle dans la Constitution, qui a les têtes conseiller présidentiel ou bien président conseil présidentiel, c'est usurpation de titre que lié. Avec si dans la rue, si tu as un peuple tout bon, chaque fois que ça dans la rue, au mari, il y a toute machine que vous avez dans le monde, c'est lui. Comment vous voulez que les gens après respecter? Le conseil de transition n'existe pas dans la constitution. C'est comme ça, Lula, Ismaël, ou alors il y a deux, trois négos pour qu'on ait, deux, trois négos qui ont quelques amis de la diaspora et vous montez le conseil de transition et vous dites vous êtes la présidence de notre pays. C'est vrai? L'insister, on dit conseil présidentiel de transition, il n'est pas constitutionnel. Je suis entièrement d'accord avec vous au centre de Lucas. Mais, et comme si, on dit premier ministre légitime, c'est ça qu'on l'a dit, pas vrai? Bon, constitution dit son premier ministre qui doit diriger l'État okay. Jusqu'à ce que l'élection fasse. Mais même premier ministre a accepté, sans ou pas reconnaître, là, il a accepté au nommé. Monsieur, pas doit accepter, bah, comme ça, monsieur. Ah, mais tous les débats bon là, non? Eh bien, c'est ça, ma mère. Comme tous les débats, bon, s'entendent pour sauver Haïti? Non, moi-même, bon, je suis un bagaille. Pays a besoin d'un premier ministre qui a rétabli l'ordre constitutionnel et rétabli la sécurité. Comment choisir premier ministre ça? L'Irine va faire un choix par consensus. En avancé? Pays a besoin d'un premier ministre qui a rétabli la sécurité et organisé les élections. Deux bagailles, ça, seulement. Et puis, pendant la fête de bagailles, ça, fait des petits programmes sociaux. Et Jean-Jovenel te qu'on fait là pour soulager mon cap souffrir en bas misère. L'ordi, pays a besoin premier ministre pour rétablir sécurité, organiser les élections. C'est ça, dit. C'est ça. Est-ce qu'on demande révocation, Gary Koni? Je demande révocation, monsieur le premier ministre, oui. Si demain matin, si demain matin, monsieur décide de respecter la constitution, monsieur le floche conseil de transition. Comment la floche lui, puisqu'il y a un accord politique dans le LICA? Ou va dans le samedi là, ou mettons une commission en place qui gagne 5 éminents juristes. 10 5 éminents juristes sur statut pour moi sur le fait de conseil de transition. Est-ce que légal et constitutionnel? Les hommes mettent tout rapport si vous dites oui ou Kimbel, si vous dites non, monsieur, ou bien la police l'autre, à l'armée l'autre. Quand les machines qui n'ont même tout n'est que ça, si vous avez des billets, l'État côté, vous mettez vous deux là-dedans. Faut toujours une solution facile sans le licor. Qu'on va là? Monsieur, moi-même, je suis même d'après régler en 24 heures. Man. Oui, qu'on va là? Avec facilité. Regardez, pour mon premier ministre, constitution, disons, mon premier ministre qui a dirigé l'État avec le cabinet ministériel, qui a fait grimace comme ça avec le pays. Ouais, l'autre jour, on monte dans les Nations Unies. Les Nations Unies va occuper. Parce que pas dans la constitution, Nations Unies a cherché qui côté dans la constitution, qui est un conseil de transition, ça va exister, présidentiel de transition, ça va exister. On pense que les blancs, pas garder la constitution, vont déplacer. Donc moi-même, ouais, et pour nous, c'est un pays qui n'a pas gardé. Bon peuple qui a souffert là, oligarque oublié, peuple net, année qui vous mettez pour diriger. Mais il y a crasé comme l'État. Et comme l'État qui a crasé, c'est si malheureux qui n'a marché qui a pris un taxi. C'est chauffeur camion, chauffeur taxi qui a dégagé dans l'arrière, chauffeur tap tap là, il a pris un taxi. Taxe pour licence, taxe pour plaque machine, et la trier.
pièce machine qu'il a acheté à eux pour un taxe sous lui. Au lieu de ne pas comme ça, pour soulager mis cette peuple là, ne pas séparer comme entre eux. Mais qu'est-ce que ça amène? Si vous n'avez pas conscience, ou même vous avez conscience, guerrier avez conscience, nous avons l'ouko avez conscience, nous avons parlé de bagages à eux. Mais ce bagage qui est dur, ça va passer là. Et haïtiens qui sont dans la diaspora, un paquet d'haïtiens, man, les arrivés pour prendre retraite. Je t'ai même vu dans un pays qui a l'appel à donner pour venir dépenser comme si l'argent retraite qui a gagné pour venir investir dans le pays. Et puis ça a de l'eau dans le jeu, il n'y a pas de qui a tourné dans le pays. Non? Donc, pour ça, on a parlé là. Et les gens qui sont dans la République de Port-au-Prince, c'est un petit groupe qui prend le pays et l'État en otage, le peuple en otage. Pour eux-mêmes, c'est comme ça va la durée là. Jusqu'à ce qu'ils font un coup d'État électoral, ils mettent un gouvernement pour pétrole, qu'après ils signent pour blanc avec eux, ils volent ça, qu'on battait la caille, pour nous qu'on vienne plus mal. Nous ne pouvons pas accepter ça, non, mais ils veulent mettre pour le conseil électoral là, ils ne peuvent pas faire. Donc moi-même, bonne vérité, et mon cap suivre, moi, soit dans le boucan de la parole, soit dans le loup ou la trié, parce que les stations que les oligarques qui ont contrôlé, ils ne peuvent pas quitter me parler. Donc moi-même, je dis nous bagaille aux gens, ils ont. Donc là, quand le docteur a pas qu'à bon sur maladie qu'on souffre. En nous finissant le lit, élection États-Unis, c'est dans 5 jours. Puisque, oui, c'est dans 5 jours. C'est dans 5 jours. Mardi 5 novembre, Cap Vinla, c'est pour l'élection États-Unis qui pourra le mettre face à face. Et Kamala Harris, Donald Trump, Trump de Kamala Harris, et puis. Et au Canada, une situation pour le Premier ministre canadien. Mon cher, moi, mes questions sont à vous poser. C'est dossier élection des États-Unis et question démocratie qui viennent intéresser sur les questions politiques. Une première fois que je m'intervenis sur les questions politiques dans la radio et dans la télévision, et je suis 16 ans ou 17 ans, c'est sur l'élection Reagan. En 1983, tu as une émission spéciale qui a été faite à Dijon Gadi qui a été faite sur Télé-Haïti. Côté nous, tu as analysé. Mon cher, depuis que je analysé l'élection de 83 à nos jours, c'est l'élection qui est plus brutale que m'observer là aux États-Unis. L'homme de est un brutal là, pas brutal comme si violence, non. Brutal dans langage politique, dans l'attaque qui a fait bagage ça. Un bon parti démocrate là, nous connaît que. Après le débat qui était fait le 13 juillet, côté président Biden, pas fait une belle performance, et gros autobré démocrate, il a décidé qu'il a remplacé Biden. Mais il faut que la décision doit sortir la caille. Donc c'est comme ça qu'il a fait la convention, il a mis vice-président, Mme Kamala Harris, et pour venir candidat à parti démocrate là pour président. On l'autre bord, et dans le parti républicain, il a gagné l'élection primaire. Et Donald Trump calé tout l'autre candidat, yo, c'est lui qui retourne comme ancien président, comme candidat parti républicain pour candidat à la présidence. On bon. Et Kamala Harris, la partie démocrate, l'a dit, peuple américain, que si vous quittez Donald Trump et tourne sous pouvoir, monsieur a bon dictateur. Je dis, monsieur, c'est Hitler. Tellement monsieur, il y a des bagailles, il raciste des bagailles comme ça. Et il met des gilets sous monsieur de différents gens et à travers l'attaque qui fait sous lui et à travers la presse. Beaucoup de républicains même, et Donald Trump, l'y attaqué brutalement et Madame Harris, et qui est candidat à parti démocrate là, côté lui dit que 4 ans, est-ce que 4 ans qui sont passés là, est-ce que nous sentons-nous plus bien ou bien est-ce que nous sentons-nous plus mal? Et l'autre question qu'elle posait, elle dit que le candidat ça qui est démocrate, il n'est pas compétent. Et son monde qui n'est pas risqué qu'il y ait, d'ailleurs, garder la performance qu'il a au niveau économique, côté celui qui a l'inflation, et celui qui a conseillé de la guerre, parce que lui-même, le président n'a pas de la guerre dans le monde. C'est lui-même qui crée la guerre en Ukraine, crée condition pour la guerre. Garde ça qui passe en Afghanistan, garde ça qui passe en Israël, Palestinien et la Trier. Donc c'est goût même brutal ça qu'a fait là et entre deux gros candidats et je vous dis à le gars des sondages ici aux États-Unis et Trump a décidé dans cet état et Wisconsin, Michigan, Nevada, Arizona, Pennsylvanie, Caroline du Nord et Georgia.
Donc c'est cet état-là. Je pense que tu gardes toi aujourd'hui à nous CNN et peut-être moi quand là devant Wisconsin et gagné Arizona, il y a l'autre côté encore là qui pas dans tête moi. Kamala devant dans 2, Trump devant dans 4 et gagné une qui 550. OK. Donc donc je veux dire là et alors dans l'élection ça dossier qui domine et débat et pour l'élection ça c'est la démocratie américaine, c'est économie, c'est immigration, c'est crime, c'est santé, c'est avortement, politique étrangère, nomination Cour suprême avec changement climatique. Nous-mêmes nous devons suivre l'élection ça de très près. Faut que depuis qu'il y a nous-mêmes en tant qu'haïtiens nous développer des stratégies. Si c'est comme là qu'après le passé qui ça nous doit faire et qui conséquences que ça gagne en fonction de conséquences qui ça nous doit faire. Si c'est Donald Trump qui passe, tout le monde qui a un TPS, tout le monde qui joue un programme Biden, d'ici 30 mars ou bien 30 avril, il y a 300 à 400 000 haïtiens tournés. Mm-hmm. Est-ce que nous parlons pour ça? Il va avoir un impact sur le nombre de monde qui voit tourner, il va avoir un impact économique, tout parce que tout le monde qui travaille, il voit à peu près entre 150 et 100 millions par mois. Donc je veux dire, est-ce que nous parlons, est-ce qu'en dans l'État, et est-ce qu'en dans la société civile là, est-ce que dans l'université, ou université d'État et université privée, est-ce qu'on a fait des réflexions déjà sur ça, pour que ce n'est pas l'aile rivée, et faut pas oublier que Dominicain, une politique étrangère très agressive aux États-Unis, côté au gain très fond en trompe, Dominicain très fond en trompe, faut nous parler pour ça. Et les nègres fond en trompe là, les gars mettent des gilets sous nous en disant trompe. On est capable d'entrer sous Kamala, nous-mêmes qui stratégie pas nous. Est-ce que nous-mêmes haïtiens qui dans diaspora aux États-Unis ou haïtiens qui en Haïti, est-ce que nous fait des réflexions stratégiques comment au niveau société civile et comment au niveau l'État haïtien si c'est Kamala qui passe, si c'est Kamala qui passe gain sous dossier migratoire là, la bon pour haïtien et tout le monde qui bénéficie Biden et qui bénéficie TPS la kembe yo, mais en même temps tout et sous dossier avenir de la démocratie et développement économique, blanc qui participe dans tout le président Jovenel Moïse, yo, yo va laisser rentrer sous Kamala. Est-ce que nous devons entrer sous Kamala en vent blanc ça pour nous pas prendre un coup? Et blanc ça a un objectif très clair, c'est venir voler tout ça qu'on bat dans le pays. Ça c'est analyste Stan Le Lucas. Qui côté campé, est-ce que pour Kamala passer ou bien c'est Donald Trump? Et qui ça, haïtien qui a vivé là-bas, comment est-ce capable de participer dans votre bio, dans l'intérêt Haïti? Au niveau migratoire, Kamala bon pour nous. Mm-hmm. Mais des deux côtés, et candidat a un problème pour nous, il faut que nous avons une stratégie pour nous. En même temps, il ne faut pas oublier que Trudeau a perdu le pouvoir. Et il y a une réunion qui fait dans le Parti libéral là, côté que près de 50 députés sur 153 m'ont dit monsieur pour le démissionner, taux de popularité monsieur à 28%. Donc ça veut dire que pour tout mal, c'était fait Haïti, il a payé pour ça. Donc nous-mêmes, faut que, et pour ça, dans l'émission ça, nous avons un petit jeune, ça nous a inagé.